Jour 3. Physiquement, on est au top. Ça va. On s'attendait à ça. Ça va. On n'avait pas regardé le premier tableau de résultats et c'est les copines qui sont venues nous le dire. Et on est pas trop mal. 18e et on est très fiers de nous. Voilà. Bon, voilà. On est contentes. On est fiers. C'était super dur la première journée. On s'est dit ça va être vraiment l'enfer tout le temps. Et hier, c'était physique aussi. Mais à chaque fois, on voit des super beaux paysages. Et hier, c'était vraiment à chaque fois des nouveaux paysages. C'était trop beau. Moi, j'ai été dans l'inconnu. Je savais pas. J'ai toujours fait le Maroc en 4x4. Donc, c'est la première fois que je le fais à pied. Et, c'est super. Donc, et nous, on l'a suivi en fait. Voilà. Parce qu'elle nous a demandé, ça ne vous dirait pas de faire un trek à pied? Ouais. Et pourquoi pas? Regardez, c'est joli. Nous, on a dit oui, c'est joli. Et on est venu. Voilà. Non, moi, je faisais des randos, parce que je suis bordelaise. Et je faisais des randos et je me suis dit, ça va être comme les randos. En fait, pas du tout. Hein. C'est un peu plus compliqué quand même que les randos que je fais en Gironde. Comment vous vous êtes entraînée? La dune du Pilat, la cano, le porge, un petit peu dans la forêt. Mais bon, je pense que le Pilat, on le fera les deux doigts dans le nez la prochaine fois. Par rapport ici. Le sein là-bas, je dis entre le téton gauche et le téton droit. Eh ben, le petit nœud du milieu, là, on est... Donc, maintenant la question c'est, est-ce qu'on va au cap ou est-ce qu'on va pas? Alors cap ou pas cap? Cap ou pas cap? Est-ce que ça passe? En termes de difficultés, je m'attendais à peu près à ça. Après, on est un petit peu pollué malgré tout par les petits bobos qu'on a de part et d'autre, donc ça complexifie l'aventure. Mais oui, c'était à peu près à la hauteur de ce à quoi on s'attendait. En termes de paysage, c'est absolument fabuleux comme on s'y attendait, voire plus. Pour moi, la difficulté, c'était les dunes. C'est pas évident de grimper dans le sable. On sait qu'on a 9 km à faire dans les dunes. Et en fait, quand on mesure, on en fait 13. Hein, donc, c'est difficile. La chaleur, c'est aussi difficile à supporter. Mais ravie d'avoir fait ça, ravie de l'aventure, ravie d'avoir mes copines avec moi et Stéphanie qu'on ne connaissait pas il y a 3 jours. Super, une organisation extra et des paysages grandioses, donc le bonheur. Vous avez envie de dire à toutes les femmes au final. Mais faites-le. Franchement, c'est accessible à tout le monde. C'est tout le monde. Enfin, c'est pas accessible. Il y a des gens qui ont des bobos, mais faites-le. Essayez. Ouais. Et ça ne doit pas rester qu'une envie. Ça doit être vraiment quelque chose. C'est vraiment quelque chose à faire. Ouais.